Wesh les potes, alors de retour de Manga Bruxelles, là on est à la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter, j'ai pas acheté un gros truc, en plus c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est elle qui me fait un cadeau. Donc on a acheté un petit truc, avant ça, juste gros merci à Burak qui nous a super bien accueillis, on va dire, de Bruxelles et du magasin. On a la petite carte, donc petite pub pour Manga Bruxelles. Donc c'est le boulevard Anspach 94 à Bruxelles du coup. Je vous mettrai ici ou quelque part dans la vidéo le lien du magasin. Donc ça pourra concrètement vous faire plaisir. Il y a énormément de figurines, il y a de tout, il y a des débats et tout. Vous verrez dans la vidéo, de toute façon vous l'avez vu. Donc passe juste maintenant au petit unboxing rapide de la vidéo. Donc alors la vidéo, je vais lui laisser découvrir. Alors, you can open it. Alors, petite surprise. Alors, concrètement, j'ai pris la sculpture, la sculpture de Smoker. Pourquoi Smoker? Il y avait Jinbei, il y avait Luffy, il y avait Doffy. Bah écoute, concrètement, j'ai trouvé que la Smoker, c'était celle qui avait le plus de gueule. C'est Smoker, on se fout de sa gueule tout le temps. On pense qu'il est faible. Moi, je sais pas, je trouve qu'il a de la classe. Il pourrait avoir un potentiel de fou. Donc, on va faire une petite unboxing concrètement de Smoker. Donc, voilà, hein, la petite boîte qui fait plaisir. De toute façon, cette série-là, elle est quand même super belle. Donc, c'est de l'officiel, hein, comme d'hab. Hop. Donc, tac, tac. Ok, allez, petite unboxing rapide de la figurine en elle-même. On va se mettre un peu en recul parce que si je me mets là, je pense pas que vous voyez. Donc, I think here they can see better. Ok, alors il y a un petit autocollant qui va être relou. Elle veut le faire, donc ouais, vous allez voir, elle va pas y arriver. Je vais devoir le faire au final. Ou ça va prendre 3 plombs. 2 hours later, on a réussi. Finalement, c'est ouvert, on n'a pas détruit la box, c'est le principal. Donc, on va voir la surprise. I'm sure it will be beautiful. Alors, bon presto, hein, toujours pareil. Référence à DB Time, je kiffe au unboxing, à chaque fois on parle de ça, mais c'est vrai. Bon presto, hein, petite chose, on voit tout le temps de toute façon que c'est super protégé. Donc, on va sortir la figurine. Hop. Le classique de Bon Presto. Son épée, je sais pas comment on appelle ça en japonais. Je vais retrouver le nom, je le mettrai là. I don't know the name of this weapon. It's a... I don't know. Comme d'hab, Bon Presto, divisé en 3. Des parties super faciles à utiliser. Donc on va craquer ça rapidement. Hop. On a le socle. On a concrètement, je vais le mettre là parce que vous allez rien voir encore une fois. Alors, c'est ça qui est kiffant, c'est que tout est bien protégé. Hmm. Donc, par contre, l'arme, wait for the weapon before. L'arme qui est super bien protégée, encore une fois, hein. C'est vraiment quelque chose, de toute façon, qui porte quand même bien son truc. Alors, hop. Il y a son arme ici. Je voulais le faire, elle l'a fait, mais bon, pas grave. On lui en veut pas, elle était curieuse. Elle a bien fait au moins. Je pense qu'elle a fait ça, c'est juste pour voir les abdos. I know you. Ok, regardons la boîte juste pour voir un petit peu, pour être sûr comment se met l'arme. D'accord, donc ça sera vers le bas. Donc je pense en gros que c'est tout con. On a juste à rentrer ce truc là au niveau de sa main. Et voilà. Parfait. On retire bien sûr le plastique, hein.
Et là, du coup, on va mettre le T-Smoker sur son socle. Quel est le... Voilà, c'est cette... Hop. On va fixer ça sur son socle. Et voilà. Je pense que c'est comme ça. On va le faire tenir vite fait pour voir si l'arme n'est pas trop basse. Non, parfait. Je pense que c'est comme ça. Voilà. La smoker. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre une petite coupure, vous montrer la figurine dans son ensemble avec la caméra, une petite musique de fond vite fait, que vous voyez vraiment les détails qui sont superbes sur cette figurine là. Donc tout de suite, ben, les vidéos de cette petite figurine, la vidéo juste présentation, voir un petit peu les détails. Oh les potes, donc du coup j'espère que vous avez apprécié ces petites images par rapport à la figurine en question. Super belle, hein, de toute façon il n'y a rien à dire concrètement là-dessus. Je pense qu'il y aura une petite vidéo par la suite par rapport à une chance, peut-être, on verra un petit peu. Dernière petite chose, donc du coup merci à Manga Bruxelles. Je voulais juste redire un petit truc. Manga Bruxelles, c'est un des rares revendeurs qui fait de la soumé. Vous allez là-bas, vous pouvez précommander les Tsumé. Il y a la Broly là en ce moment qui va certainement se vendre comme des petits pains, même si le prix il est c'est un salaire, hein, concrètement. Donc elle est en précommande dessus, elle est tout de suite de voir. Ça se peut qu'elle est déjà en rupture, je sais pas. Allez voir un petit peu comment ça se passe. Et je vous conseille d'aller du coup dans ce magasin là, puisque ben, c'est quand même amical. J'espère qu'ils auront des sourires en voyant la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, moi les potes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire, ça fait plaisir, ça aide au référencement, ça aide à la chaîne de s'agrandir. Et du coup, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les potes!